On accueille Willy, bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour Alban, bonjour maman, bonjour à tous. Bon Willy, pareil que vous êtes accro à qui veut épouser mon fils. Oh Jean-Marc, mais que de rebondissements, mais à côté de Jack Bauer, c'est Michou. Hein. Mais chaque vendredi, je suis littéralement scotché sur mon canapé avec ma colocatrice, on est complètement fan. Maman, maman, viens vite voir ça, ça commence. Ta coloc aussi, elle a l'air cool Alban. Hein. T'as l'air de pas en foutre une à la maison, bien joué. Hein. Ah non, mais dans l'émission, Giuseppe est l'italien, moi aussi je suis italien, alors du coup, bah, Giuseppe, il est bien lui. Hein. Ah, il a vraiment le truc pour parler aux femmes. Hein. Hey, grosso bout. Non, ma dégage, ça c'est moche. Hein. Les femmes, c'est de la merde. Oh, le romantisme italien. Il est macho, mais moi aussi, je suis macho. Hein. Ah bon? Ah oui, on dirait pas. Hein. Non, c'est... Si. Vous le cachez bien. Et puis, il est macho, sono macho. L'autre jour, dans le bus, excusez-moi, vous pouvez me laisser la place? Paf, je faisais semblant de dormir. Ah, t'as vu le mec viril que je suis, bien. Non, mais Giuseppe et sa mère Marie-France, c'est un dessin animé. Hein. Lui, il fait tellement duvet qu'il a la même couleur que Casimir. Orange. Quant à elle, quelle bonne idée de se faire greffer le bec de Donald. Ah mais, non, mais vous allez énerver Chantal encore. Mais Chantal, mon chéri, mais chérie, c'est pas contre toi, parce que toi, tu es la mère idéale. Mais enfin, quand même, une bonne bouche comme ça, dans une maison, pour déboucher un évier. Oh non, oh non, non. Oh merde, j'ai plus de desktop. Attends, bouge pas, rentre là. Elle a du caractère, la mère de Giuseppe. Oh non. Si, elle a du caractère, la mère de Giuseppe et Chantal. Vendredi, elle lui a même dit... J'aime cette émission, Chantal, parce qu'il y a de l'amour. Si, tais-toi, Chantal. Il y a de l'amour et de la poésie. Il y a de l'amour et de la poésie, comme avec Clara. L'autre Clara, non mais t'as vu, elle a des seins tellement gros qu'ils arrivent une heure avant elle. Hein? Ah. Clara va pas tarder à arriver, on voit le bout de ses tétons. Oh, mais quelle classe elle a. Comme quand elle a dit à Giuseppe... Wow, ce qui était bien différent de ce qu'elle pouvait dire dans son film de Mac Dorcel. Ce qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle disait dans sa chanson au titre mélodieux « Je me fais du bien toute seule » quand dans le refrain elle disait « Tu vois, il y a de la poésie, Chantal, oui, merde !» Ah, oui. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est simple. Giuseppe, le fils de... s'est fait draguer par Cara, la stripteaseuse, après avoir traité Audrey de boudin, ce qui n'est pas très gentil pour les boudins. Alors que William, qui sortait avec Benjamin, mais qui a dit qu'il n'aimait pas Benjamin, préférait se taper Giuseppe, qui lui a visiblement tapé sur son ex et même menacé Marie. Marie qui n'a rien à voir avec Mathie, qui est morte, mais qui est quand même sortie avec Florent, qui est stripteaseur. Alors que Karine, qui est vivante, est sortie avec Eddie Barclay, qui est mort. C'est vrai, en plus. Hein? Et, attends, vas-y. Et elle s'est fait jeter par Giuseppe parce qu'elle était trop grosse pour le plus grand bonheur de... Alors qu'elle est quand même moins grosse que la poitrine de Cindy, la stripteaseuse. Rien à voir avec Clara, la stripteaseuse. Clara qui se fait aussi appeler Felina, la pornostar, qui est sortie avec Giuseppe en même temps que Clara, vu que c'est les mêmes. Mais Marie-France, la mère de Giuseppe, a dit... ce qui signifie non, j'en veux pas. Comme à Cindy, la stripteaseuse, qui est sortie avec Alban, le fils de Chantal. Chantal, la mère d'Alban, qui a dit non à Cindy, la stripteaseuse. Alors que Giuseppe, le fils de... Si à ce moment même, l'amour parfait avec Alfassi, le paparazzi. Mais alors, Giuseppe, finira-t-il en prison? Benjamin, finira-t-il tout seul? Et toi, Chantal, finiras-tu par ne plus oublier le Cantal? Merde! Oh. Alban, vous n'êtes pas mal non plus dans cette émission. Vous êtes DJ dans la vie. J'aime bien les DJ. Hey, est-ce que ça va ce soir, la tchunga? N'oubliez pas tout à l'heure l'élection de Missy Chapmouillet, tu vois? Bon, si un jour tu viens mixer ici, Alban, n'oublie pas d'adapter à notre public. Hein. Hey, est-ce que c'est pas ce matin chez Morandini? N'oubliez pas tout à l'heure l'élection de Miss Fauteuil Mouillet. N'empêche, à la maison, tous les deux, ça doit être super sympa. Hein. Salut mon fils, est-ce que tu as bien dormi? Super, maman. Ok, Alban, tu as l'air chaud ce matin, mais je te rappelle qu'un caleçon de couleur bleue qui stationne dans ta chambre doit être déplacé de toute urgence. Bon, moi aussi, je dois me déplacer de toute urgence. Oui, je pense là, oui. J'ai ma baignoire qui est bouchée. Oui. Merci. Chantal, je t'aime. Allez, merci Alban, merci Chantal d'avoir été avec nous.